Bonjour à toutes et tous, je suis François Cormier-Bouligeon, député du Cher, de la première circonscription de Bourges, Aubigny et Sancerre. Je suis pilier gauche du 15 parlementaire, mais je suis aussi et surtout président du groupe d'études sport à l'Assemblée nationale. Et à ce titre, avec mes collègues députés, nous nous battons, nous sommes engagés pour faire de la France une nation sportive, pour développer le sport pour tous tout au long de la vie. Et nous avons mené ces combats, nous avons gagné ces matchs, loi de finances après loi de finances, et en rénovant l'écosystème du sport, en créant l'Agence nationale du sport, en lui donnant les moyens d'aider les fédérations, les clubs et les collectivités locales à financer des équipements sportifs de proximité. Mais nous sommes également intervenus en soutien de la filière française de l'économie du sport, en soutenant les clubs professionnels, en soutenant les entreprises du sport et en soutenant aussi, par exemple, en sortie de crise Covid, les jeunes des familles modestes pour reprendre des licences dans les clubs à travers le dispositif Passport. Bref, nous voulons qu'à l'approche de Rugby 2023 et de Paris 2024, le sport soit dans toutes les têtes et aussi dans toutes les jambes. Et c'est pourquoi nous participons au trophée Sport Management dont nous lançons avec tous ces acteurs, tous les membres du jury, avec Jean-Luc Sadik qui en est le directeur, avec Christophe Chenu qui sera président du jury auquel je participe. Nous lançons l'appel à candidature pour les 9e trophée Sport Management, pour la 9e édition de ces beaux trophées qui permet quoi ? Mais qui permet tout simplement d'aller chercher partout en France des acteurs, des start-up, des anciens sportifs, des associations, des collectivités locales, des entreprises et de faire remonter leurs actions innovantes en faveur du sport et de son développement dans l'économie, dans la pratique. En une phrase, de partout en France, déposez votre candidature, nous l'examinerons avec bienveillance, avec intérêt, avec passion. Et j'espère que vous serez retenu, que vous serez nominé et que vous pourrez venir participer, je l'espère, ici même à l'Assemblée nationale au trophée Sport Management. Donc un seul mot d'ordre, candidater.